Raphaël Mervoyer, je suis arboriculteur depuis maintenant 13 ans. C'est une exploitation familiale qui a été plantée par mon grand-père juste après la guerre, en 1945. Donc c'était mon père et un de ses frères qui ont repris l'exploitation dans les années 75, et donc moi je suis arrivé en 2006. On a une production de cerises particulière du fait de notre couverture complètement protégée des intempéries et surtout de l'eau. On va proposer à nos clients un fruit de qualité vraiment supérieure. On a pu sélectionner des variétés à gros calibre, plus sensibles à l'éclatement quand elles sont gorgées d'eau. Il faut qu'il y ait des croisements entre les fleurs et du coup, on vient intercaler entre les rangées une autre variété qui va permettre de polliniser les fleurs et d'avoir une belle mise à fruit. On distribue nos produits qu'en local, effectivement. Bah déjà, on est en région parisienne, donc on a la chance d'avoir des clients à nos portes. Qui dit local, dit éco-responsable, c'est-à-dire que le fruit, il a peu voyagé. C'est-à-dire nos clients se retrouvent dans un rayon de 40 km maximum. Qui dit local, dit que le consommateur va consommer les produits de saison. Alors, on a très bon rapport avec Metro. Ils ont bien compris, effectivement, qu'il y avait intérêt à avoir un partenariat avec les producteurs, à savoir que eux se trouvent gagnants d'avoir des fruits en local, et nous, bien sûr, d'avoir des partenaires comme Metro qui sont prêts à peut-être acheter un peu plus cher un produit de qualité de notre région pour effectivement servir des clients qui sont demandeurs de ça aujourd'hui. Chacun y trouve son compte, et voilà, il y a vraiment un partenariat qui est vraiment fait en bonne intelligence.